Salut les amis, donc en ce petit week-end de canicule, hein, petite balade en forêt le matin. Qu'est-ce qui fait frais? Oh la vache, ça fait du bien. Bon, c'est vrai qu'à la montagne, on n'a pas le même climat. Hein. On passe des nuits quand même assez fraîches. Ouais, les blés. Et là, une belle vue. Sur la Vierge, là-bas au-dessus de Saint-Pyrénac. On va zoomer pour vous faire voir. La Vierge Marie, là-haut. J'espère que vous allez bien voir. Les falaises. Et là, les blés. C'est vraiment splendide. Et là, la forêt. Des idées de bivouac. Hein. Alors, tous ceux qui sont amateurs de camping-car, il y a une petite aire ici, juste avant, on vous la filmera tout à l'heure. Parce que moi, on a des amis qui recherchent souvent des coins, ils sont souvent rejetés ailleurs. Bon, du moment que les gens se comportent correctement, qu'on laisse pas de déchets, que voilà. C'est ça, c'est comme ça en fait, il faut quand même avoir le respect de la nature. Bon, bah on va continuer la petite promenade, en espérant que j'aurai assez de batterie, on va voir. Allez, on y va. Il y a des sacrés petits coins à bivouac. Puis là, bon, on est vraiment bien, hein. On transpire pas, on est vraiment, c'est la fraîcheur de la forêt. Loin des routes des départs en vacances. Ouh là là. Ah, disons qu'à la montagne, on est toute l'année en vacances. L'hiver, c'est un peu rude. Mais bon, il faut que l'hiver se passe. On a quand même beaucoup de neige. Encore une jolie vue là-bas. Bon, étant donné quand même les grosses chaleurs, si on fait des bivouacs, ce sera salade. Pas de feu. Absolument pas de feu. On sait jamais. Le chant des oiseaux, waouh! Superbe vue. On va zoomer. C'est vrai qu'ici, il y a du relief. Hein. C'est pour ça que les randos, en général, sac à dos, allégé au maximum. On essaie de faire un gain de poids. Voilà, toujours. Ouais, c'est splendide. Hein. Voilà, donc le chemin, allez, on va continuer. Je coupe, on fera une petite vidéo pour la situation de l'air des camping-cars. Voilà. Bon, c'est à la bonne franquette, hein, voilà. Superbe plante. Bon, je pense que beaucoup connaissent, hein, la digitaline.
notamment employé comme médicament pour ceux qui ont des problèmes de cœur. Bon, ensuite, pour ceux qui ont une très bonne santé, surtout ne pas mettre ça à la bouche. Hein. Sinon, vous aurez le palpitant qui va. Donc, ça, c'est la digitaline. Voilà. Des fleurs magnifiques. Superbe coin. Voilà les amis, je vous dis à une prochaine vidéo donc pour l'ère des camping-caristes. Hein. Ça fera plaisir à certains de nos amis. Voilà. À ciao ciao!